Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une super vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à fabriquer une machine de gravure et découpe laser. Elle est capable de faire des découpes dans plein de matériaux, comme du contreplaqué, de l'aggloméré, et elle peut également découper tous les autres matériaux mous, comme du papier, du carton, de la mousse et autres. Et je lui ai incorporé une électronique qui va nous permettre de la contrôler en Wi-Fi, par câble USB et même en hors ligne grâce à une carte micro SD et son énorme écran tactile de 3,5 pouces. Je lui ai aussi ajouté une pompe à air qui injecte de l'air sous pression à un débit de 17 litres d'air par minute dans la tête d'impression laser et j'ai également conçu un circuit électronique qui vient éclairer la zone de travail pour un confort optimal. Ma machine est simple à réaliser, ce qui en fait un super projet si vous avez envie de le refaire chez vous. En description, je vous ai mis la liste de tout le matériel nécessaire pour la refaire chez vous, ainsi que mes fichiers 3D qui sont en téléchargement gratuit sur Thingiverse. Bien sûr, si vous les prenez là-bas, je vais vous demander de liker le projet avant de le télécharger pour qu'il apparaisse en tendance sur Thingiverse. Et grâce à ça, énormément de monde pourront la voir et ça serait juste dingue. Donc vraiment, si vous passez sur Thingiverse, likez le projet, comme ça il apparaîtra en tendance. Et pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et les heures que j'ai passées à vous faire ce projet, vous pouvez acheter mes fichiers 3D sur ma page Etsy. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à me suivre sur TikTok et Instagram, où je poste beaucoup de contenu sur les prochaines vidéos. Le fonctionnement de la machine est assez simple. On vient brancher un transformateur 12 volts et 6 ampères sur le connecteur d'alimentation, puis on n'a plus qu'à trouver ou créer un fichier de découpe et l'envoyer à la machine avec le câble USB, la Wi-Fi ou alors avec la carte micro SD. Et quelques minutes après le début de la gravure, on n'a plus qu'à décrocher les pièces de notre plaque pour passer à l'assemblage. Ici, j'ai découpé les pièces qui vont nous permettre de construire un petit support de téléphone. Les découpes sont bien été précises et le résultat est parfait. Pour simplifier la fabrication au maximum, j'ai designé la machine sur mon logiciel de modélisation 3D OneShape. J'ai construit la totalité des pièces à l'échelle en prenant en compte tous les éléments qu'on va devoir y ajouter, comme le boîtier de l'électronique de l'écran, mais aussi la carte mère, les axes, le portique, mais également le laser que vous voyez juste ici. Ce qui est bien avec OneShape, c'est que c'est un logiciel disponible sur n'importe quel navigateur web. On peut avoir accès à tous nos fichiers depuis n'importe quel appareil, comme par exemple, là, je suis sur mon ordinateur, et quelques minutes après, je continue mon travail sur la tablette. C'est une fonctionnalité que j'aime énormément, et pour ceux qui souhaitent regarder ça de plus près, je vous ai mis un petit lien en description pour aller regarder le logiciel OneShape. Par la suite, j'ai envoyé tous les fichiers 3D à mon imprimante, et pour les filaments que j'ai utilisés, on est sur du PLA gris à paillettes et un autre turquoise qui me vient de chez francophile.fr. Et quelques heures plus tard, j'ai récupéré toutes les pièces, on va pouvoir commencer l'assemblage. On va avoir besoin de profils aluminium de 20 mm par 20 mm de côté, et pour ma part, ils font 40 cm de longueur. Et je les ai taraudés à leur extrémité en M5 pour pouvoir y ajouter des vis M5. On va également avoir besoin de vis M5 de 50 mm de longueur, mais aussi des écrous qui vont avec, ainsi que des entretoises imprimées en 3D, mais aussi des petits galets spéciaux pour les profils aluminium. En gros, c'est eux qui vont nous faire les déplacements linéaires. Pour la motorisation, on va utiliser des moteurs Papa Nema 17, c'est un classique qui marche super bien. On commence par mettre les vis M5 sur la plaque de l'axe des Y, et on va venir positionner le moteur. Et pour l'assembler, on va tout simplement suivre les images que vous voyez à l'écran. C'est pas compliqué, donc on met les vis M5, par la suite les entretoises, les galets, encore une fois les entretoises, on fixe le moteur définitivement et on a juste à rajouter la plaque et les petits écrous. Bien sûr, on fait la même chose pour l'autre côté. La seule différence, c'est qu'on lui ajoute un roulement à habit spécial dans son emplacement et on le sécurise avec son support et des vis M3 de 10 mm de longueur. Pour l'axe des X, ça va être la même opération, à la différence que sur la plaque sur laquelle on vient visser les écrous, et bien en fait, on va juste thermosouder une insert 3D qui va nous permettre d'enfoncer une vis M4 qui viendra régler le blocage de la position du laser. Et avant de fixer le tout, il faudra mettre une poulie JD2 sur le moteur avant de le refermer, sinon elle ne passera pas une fois assemblée et ça vous obligera à le démonter. En soi, c'est pas très grave, mais mettez la poulie maintenant avant de refermer.
On aura également besoin d'une barre d'acier de 5 mm de diamètre sur 38 cm de longueur et on commence à assembler le tout. J'ai fixé une poulie au moteur, suivie d'un coupleur de 5 mm qui fera la transmission du moteur sur chacun de mes axes, donc des deux côtés du portique. Et de l'autre côté, j'ajoute l'autre poulie JT2 et je rentre la tige d'acier dans le roulement à billes qu'on a précédemment ajouté. Petit conseil, ne serrez pas maintenant les poulies et justement les autres éléments qu'on vient d'ajouter, car il faudra régler les axes plus tard et on vissera ça plus tard. À présent, pour transmettre le déplacement des moteurs sur chacun des axes, on va utiliser des courroies GT2. Il en existe deux types. Le premier, c'est celle qu'on retrouve partout sur les imprimantes 3D. Elles se détendent avec le temps et parfois elles cassent. Mais pour notre part, j'ai réussi à me procurer des courroies blindées à usage professionnel avec des tresses d'acier en leur centre. C'est plus solide, plus durable et avec elles, plus besoin d'ajouter des tendeurs de courroies. Une fois installées, ça ne bouge plus. Pour assembler les courroies, c'est simple. On les fait passer dans les trous prévus à cet effet, sur les axes. J'ai modélisé du coup sur chacun d'entre eux un système de cran d'arrêt qui les sécurise grâce à des entretoises qui les compressent. On vient visser ces entretoises à la partie plastique grise grâce à des vis M4 de 10 mm de longueur. Bien sûr, on fait passer les courroies d'une extrémité à l'autre et on tire bien dessus avant de les sécuriser de l'autre côté et pareil sur l'axe des X. Et en parlant de l'axe des X, j'ai ajouté un passage de câble, ça lui donne un look plus pro et plus propre également, ça évite que les câbles se baladent et se prennent même dans les moteurs. J'ai imprimé les supports de l'électronique et de l'écran dans le même filament turquoise utilisé au départ et j'ai ajouté à l'arrière des entretoises spéciales pour profiler aluminium et ces entretoises-là, je les ai fixées avec des vis M3. On n'a plus qu'à mettre le boîtier et visser le tout. La carte mère qu'on va utiliser est une MKSD LC32, elle est équipée d'un ESP32, ce qui vous permet de la contrôler sans fil. Et pour l'écran, il s'agit du MKS TFT35 qui est tactile et nous permet de la contrôler et d'avoir un super interface. Normalement, quand vous l'achetez, elle est déjà configurée pour le laser, vous n'aurez rien à installer dessus. Il faudra configurer dessus, c'est le logiciel qui fait fonctionner les gravures. Il s'appelle LaserGRBL, il est gratuit et très complet. Une fois téléchargé, on l'installe et on vient l'ouvrir. On branche ensuite la machine électriquement en 12 volts et on met le câble USB pour que le logiciel puisse lire les informations de la carte. Et on va dans les configurations. Et je vous rassure, j'ai déjà tout fait. Vous n'aurez pas de configuration à bidouiller de vous-même. Là, je vous invite juste à mettre l'écran sur pause et faire copier-coller en fait les informations que moi j'ai rentrées dans chacune des lignes sur votre logiciel et bien sûr on n'oublie pas d'écrire cette configuration là sur notre carte, comme ça la machine est configurée. Bon, maintenant la partie la plus intéressante, c'est le laser. Il existe énormément de lasers. J'utilise un laser de 20 watts que je possédais déjà, que j'ai juste réutilisé, et en description je vous ai trouvé un laser de 20 watts un peu meilleur car il est plus petit, plus léger et donc un peu plus performant. C'est un équivalent au mien et un peu plus performant. Il a juste la taille qui change, le mien fait 4 cm de côté contre l'autre qui fait 3 cm de côté, donc il est un peu plus petit. Je lui ai modélisé du coup pour le mien une petite armature où j'ai mis son électronique, mais aussi un système de R6 qui améliore les découpes et empêche que le matériau brûle au contact du faisceau. Bien sûr, le R6 c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Pour la connexion des éléments, c'est super simple. Le fabricant de la carte mère a mis toutes les informations sur son site, mais vous pouvez vous référer à la vidéo que je suis en train de faire, où j'ai câblé en fait les deux moteurs, le laser et aussi les câbles d'alimentation pour l'éclairage. Et avec le laser en description, il y a un câble déjà fourni avec, donc vous n'aurez pas besoin d'en bidouiller un vous-même. Ça vous facilite la tâche si vous êtes un peu court. Par contre, vous pourrez même le rallonger si vous souhaitez faire une plus grande machine. J'ai par la suite essayé le laser à sa puissance maximale pour vérifier le câblage. Et bien sûr, les amis, il faut se protéger les yeux. C'est obligatoire et j'insiste, le laser est extrêmement puissant, il peut vous rendre aveugle si vous n'êtes pas prudent avec. Donc les lunettes de protection, c'est obligatoire, ça serait dommage quand même de ne plus pouvoir regarder mes vidéos. Donc en description, je vous ai mis le lien d'une paire de lunettes adaptées pour pouvoir travailler en toute sécurité.
Maintenant, on va pouvoir régler le focus. J'ai déterminé une distance de 4 cm entre le laser et l'objet à couper ou alors à graver. Du coup, on va s'en servir comme référence. Grâce à l'écran, j'ai allumé le laser à une puissance de 0,5%. À cette intensité, vous n'êtes pas obligé de mettre des lunettes car la lumière est très faible, elle n'abîmera pas vos yeux. Donc là, je suis en train de faire le focus, il faut que le point soit le plus petit possible. Une fois fait, on referme le tout et on peut mettre le couvercle du coup du laser. Et on n'oublie pas de mettre les câbles à l'intérieur et de refermer le tout. Pour l'éclairage, j'ai créé un circuit électronique constitué de LED haute luminosité. Je l'ai fait fabriquer chez JLCPCB. Alors JLCPCB, c'est une société qui permet à des particuliers comme vous et moi de construire nos propres circuits électroniques. Et à réception, j'ai vérifié que le circuit fonctionnait bien grâce à mon alimentation de laboratoire. Ils sont super sérieux, les circuits sont normalement d'excellente qualité et testés avant l'expédition et pour un prix plutôt abordable. Donc je vous ai encore mis une fois un petit lien en description pour aller regarder ça. Et comme le circuit fonctionne super bien, on va pouvoir l'installer sur le laser et souder des câbles d'alimentation 12 volts. Donc c'est les deux petits câbles rouge et noir qui restaient tout à l'heure. Pour la partie air assist, j'ai ajouté un système de tuyauterie qui achemine l'air d'une pompe à air d'aquarium qui envoie environ 15 litres d'air par minute à un débit d'un demi-bar, ce qui améliore les découpes et permet de couper plus grosses épaisseurs. Ce genre de système n'est pas indispensable, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est grandement recommandé. Et voilà, la machine est terminée, on va pouvoir l'essayer. Pour le test, j'ai réalisé un petit projet. Je me suis rendu sur internet où vous allez retrouver beaucoup de sites de modèles de découpe laser gratuits comme celui-là qui compte des milliers de modèles. J'ai fabriqué un support de téléphone mais aussi le Tower Bridge. Cette maquette est juste énorme avec plus de 70 cm de longueur et une soixantaine de pièces. Et le laser a fait des découpes magnifiques et très très précises dans du MDF de 3 mm. Et pour ceux qui ne le savent pas, le MDF c'est extrêmement dur à couper. Je dis ça parce que c'est beaucoup plus dur à couper que des panneaux par exemple de contreplaqué de 5 mm. Donc là on rajoute 2 mm forcément, mais c'est quand même plus dur à couper du MDF. Donc ça a réussi à couper ça avec des petites découpes nettes et précises. Et grâce à ça, j'ai pu faire la maquette et l'assemblage du support de téléphone. Bien sûr, on aura tout le temps d'utiliser cette machine. Et pour ceux qui veulent voir d'autres découpes et avoir plus d'infos sur la graveuse laser, je vous invite vraiment à vous abonner, mais également à me suivre sur Instagram, où je pourrai même poster des petites vidéos dédiées dans laquelle on va pouvoir couper plein de matériaux. Comme ça, vous verrez de quoi elle est capable. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez vous abonner, mais également me suivre sur TikTok et Instagram, où je poste beaucoup de contenu en dehors de YouTube.